Yop tout le monde, c'est toi que moi j'ai Tegda. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, blablabla. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil Revelation 2. Et donc, nous nous apprêtions à ouvrir cette porte. Il y a un truc qui brille, attends. Oh putain. Bah bien, tu fais bien ton job toi. En plus c'est des munitions, pousse-toi. Alors attends, les munitions, moi je les prends. Mais moi peut-être j'aurai le pistolet de la lampe. Voilà, donc j'ai 13 munitions de pistolet. Là y a rien. Voilà. Heureusement que j'allume tout le temps ma lampe, hein, quand même, parce que... Alors, elle est méchante, tu vois. Tu vois, tu sais à qui me fait penser. Est-ce que tu sais à qui me fait penser? Alma. Oui, j'ai vu quelque chose. Blablabla. On dirait que... Attends, vas-y, fais. Moi, j'ai trop peur. On arrive vers un accueil, là, j'aime pas trop ça. Il y a notre chien qui se gratte. Cloc, cloc, cloc. Ça fait cloc, cloc, cloc. Là, il y a un truc, mais attends, avant, on fouille tout. Oh, attends, moi aussi, je peux y faire. Oh. Oh là là, je suis trop forte. Oh. Oh là là, je suis trop forte. Mais moi, je peux pas si t'éclaires pas. Mais j'ai pris. Ah, mais t'as pris. Qu'est-ce que t'as pris, du coup? T'as mis la munition. Bah alors, putain, tu m'énerves. Je sais pas. T'as mis la munition. Ah, je suis. Attends, 2 secondes. Ah, je peux en mettre que 2 dans le barillet. Canon, plutôt. Blop. Bah, on est obligé de passer par là, hein. Oh yeah. Et je dois dire que c'est moi qui fais tout, hein. C'est moi qui soulève tout, parce que... Non, moi, je suis la plus adulte, t'as vu. Putain, le boucan qui fond, n'empêche. Quel fond, pardon. Pardon. Mais ça va. Pardon. Malade mental. Oula. Attends, j'ai entendu respirer. Oh god. Alors attends, on va y aller doucement, ok? Tu vois toutes les cellules? Moi je pense qu'elles vont toutes s'ouvrir. Oh putain. Tegda? Tu vois ce que je vois? Je vois. C'est dans quoi ça? Dans quelle chanson? Attends, tu vois ce que je vois? On peut regarder à l'intérieur. Ah, oui, dans Aladdin. On peut pas regarder à l'intérieur. En tout cas, il fait vraiment peur. Hein. Blam! Je prends. Merci. Moi, je vais tout voir. Bah, du coup... Je vais voir ce qui nous attend. Là. Je te jure, c'est pas moi. Qui cite des conneries de poèmes? Vous avez peur? Vous pouvez me le dire. Parlez. De quoi vous parlez? Ces bracelets changent de couleur. Tegda. J'ai vu. Exactement. Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Ok. Elle nous parle ou elle parle toute seule? Tegda, je peux même pas. Putain, mais t'es con, tu m'as fait peur. Je peux même pas voir sa tête. Oh. Ouais, ça va faire mal. Je propose qu'on aille pas tout de suite tout droit, non? Si. Bah moi je regarde en fait ce qui nous attend, là je sais que là il y en a un petit, donc pour l'instant je crois qu'il y en a un petit et 2 gros. Donc si les portes s'ouvrent... Oh, si les portes s'ouvrent, on a intérêt de faire vachement gaffe quand même. Tu m'auras pas... Viens. Attends, mais peut-être il va sortir en vrai. Hein. Non, il sortira pas et sous une porte. Moi j'irais bien... Mais attends, viens d'abord là. Amélioration des mesures de sécurité. Conformément aux instructions du directeur, j'ai placé le buste lance-flammes en face de la sortie. Les flammes qui soufflent sont vraiment impressionnantes. Même si plusieurs des expériences tentaient de passer en même temps, elles seraient toutes grillées sur le champ. Défense de passer. Tant pis pour ceux qui essaient de s'échapper. Donc, attends, c'était en face de la sortie. Donc, je pense qu'il va falloir le trouver, non? À mon avis, c'est ici, là. Attends, n'y va pas. Parce qu'elle a parlé et moi, j'y sens pas. Parce que là, il y a 2 pièces... Là, il y a quoi dedans? En fait, j'essaie de voir s'il n'y a pas des... Putain de technologie. Il manque un truc. Tu vois, il manque un rouage au milieu. Ouais. Donc, il va falloir trouver un rouage. Et là-bas, il y a une plante. Donc, il va falloir trouver un rouage. Moi, j'irai pas là-bas. Attends, il n'y a pas un truc, là. Attends, on peut pas ouvrir un tiroir. Tu veux monter au cas où? C'est... Là, il y a un truc qui brille. Il y a un truc qui brille en dessous. J'ai la carte. T'inquiète, j'ai la carte. Là, il y a un truc qui brille. Mais putain, d'habitude, t'es trop content. Oui, la carte. Ah oui, la carte. Je sais pas comment on l'a. Ah, mais oui, elle est en haut, j'avais pas vu.
On va en haut du coup? Bah ouais, on essaye. Par contre, juste attends-moi s'il te plaît. Enfin, si toi tu déclenches quelque chose, que je sois là. Alors attends. Oula, ils sont beaucoup quand même. Bah là, il y en a 3 en bas. 4. 5 ici. Moi j'en ai un là, donc il y en a un à droite en haut. Je vais essayer d'ouvrir la porte là. T'es où? Ok, vas-y. Clé de la salle de contrôle, mais inaccessible. Là, il y a quoi? Il y en a un là. Il n'y en a pas. Oh, je suis tombée. Il n'y en a pas. Il y en a un là. Ouais, il y en a beaucoup, quoi. Ouais, il y en a, je pense, une... On doit en être pratiquement à une dizaine, hein. Bah, on va devoir tous se les faire, je pense, parce que... Ça va être la merde, hein. Enfin, encore, j'aurais une arme à feu aussi, ce serait simple, mais là... Je pense qu'on va devoir courir, à moins qu'on trouve le lance-flamme. Mais non, mais c'est pas vraiment un lance-flamme. Attends, je relis la note... Attends, c'est quoi, je peux la lire deux secondes. Vas-y. Conformément aux instructions du directeur, j'ai placé le buste lance-flamme en face de la sortie. Et t'as vu, les flammes qui soupent sont vraiment impressionnantes, même si plusieurs des expériences tentaient de passer en même temps, elles seraient toutes grillées sur le champ. Donc tu vois, moi je pense. Défense que... de passer, mais non. C'est à mon avis. Ah, c'est un piège. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc vous, moi, je vais parler. Vous mieux pas y aller. Oula. Fais gaffe, t'approches pas trop parce que si ça coupe. Et il y a des rails, ça veut dire que ça va se déclencher au bout d'un moment et que ce sera peut-être un piège. Faudra faire gaffe. Allez. Attends, j'arrive. Ah. Oh là là, mais j'ai l'œil. Désolée, je m'impressionne moi-même. Je dois c'est dire. Clair. Allez. C'est le cas de le dire. Là-bas, c'est un couloir tout simple, on peut aller voir. Ah, attends, regarde là. Ouais. On dira bien. Là, il y a un truc à casser. La caisse. Je peux le faire! Trop tard. Connasse. C'est bon, c'est un rubis à ramasser, c'est pas ta vie. Je m'en fous, c'est ma mission. Bon, j'y vais. Vas-y. Attends, avant de le ramasser, le ramasse pas. Oh, ça a l'air confortable. Si ne le prends pas tout de suite. Il y a un truc de bloqué. Je t'en commanderai un si tu veux. Non, ne le prends pas! Non! Parce que je pense que, vu que c'est ça qu'on doit prendre pour la quête. Ça va nous déclencher quelque chose. Moi, bah non, mais on est obligé. Plutôt. Non, parce que là, il y a une porte, en fait. Non, il faut fouiller. Regarde, il y a le rouage. T'es sûr qu'avant, tu veux pas... Parce que là, regarde, sur la mini-carte, il y a un truc là-bas, à droite, si tu veux. Non, parce que moi, je suis pratiquement sûr qu'en fait, ça va débloquer quelque chose, quoi. Boîte d'éléments. J'ai un tourniquet. Ah, oh, on peut customiser les armes. Eh ben, oui. Eh ben, vas-y, je te laisse faire, alors, t'inquiète. Alors, vous pouvez améliorer et changer vos armes à l'atelier, améliorer, vous pouvez équiper et retirer les équipements, les éléments personnalisés que vous avez obtenus pour vos armes, et changer, vous pouvez échanger les armes que vous transportez avec celles que vous avez stockées. Je peux modifier ma lampe torche? Je sais pas. J'ai eu dégâts niveau 1, alors... Je pense qu'on trouvera plus de munitions de ça, donc moi je te conseille de le mettre là-dessus. Après, c'est toi qui vois, mais... Mais d'un côté, c'est marqué peu fiable. Je sais pas. À moins que, sinon, tu joues tout sur le pompe, comme quoi le pompe fera énormément de dégâts, quoi. Ouais, c'est ça aussi, je me dis, ça peut être sympa qu'il fasse beaucoup de dégâts le pont. Parce que ouais, si après on a vraiment une dizaine de clampins qui viennent, on est dans la merde. Ouais. Je tousse un peu, merci. C'est, ah, c'est bon, bon. Bah attends. Je sais pas si c'est bon. Bah ça a dû le mettre, alors fais B. Ouais, c'est bon. Donc voilà, j'ai amélioré mon arme à feu. Ok, bon, bah maintenant on va pouvoir aller récupérer le rouage. J'ai un tourniquet, moi. Oh! Vois si tu peux monter. Oui! Bah vas-y. Personnellement, à ta place, je serais pas trop rassurée. Après. À moins que je te chope là au passage. Bah non, tu peux pas. Hein. Je peux pas le faire seule. Séparé de Moira. Tu vas t'en sortir. Attends, chut! Je peux pas le faire seul. Ah oui, je peux pas le faire seul. Ah, je peux peut-être aller par là, moi. Oh, regarde. Mais... Ah j'y arriverai pas seul. Ah, faut que t'ailles me m'ouvrir. Ouais, j'arrive. D'abord, je fouille. Bah, quand même, ouvre-moi. Oh là là. C'est bon. Oh, elle m'a poussé. Quelqu'un qui nous aidera. Et là, il y avait un truc. Elle pouvait pas le faire toute seule. Ah bah. Mais je suis obligée de venir. On a peut-être un peu trop avancé, non? Enfin. Je sais on pas. On a peut-être dû récupérer le rouage avant. Je sais pas en fait.
Non, laisse-moi le plaisir d'y ramasser. Tu penses qu'on retourne vite fait en arrière pour récupérer? Non, ou... on va aller tout droit. Parce que moi, je suis pratiquement sûre que ça va débloquer quelque chose, enfin... J'aime pas trop ça. Fermer de l'autre côté. Tiens, éclaire un peu pour voir ce qu'il y a derrière. Ah, c'est la salle de contrôle. Donc ça veut dire que là, juste derrière, là-bas, c'est où il y avait tous les monstres. Ok. On aurait dû récupérer le rouage. Parce qu'en fait, ce qui va débloquer tous les monstres, ça va être qu'on va devoir aller dans la salle de contrôle pour ouvrir la porte, tu vois ce que je veux dire. J'ai un doute, hein. Là, je me dis qu'on est en train d'avancer pour rien, en fait. J'ai peur qu'on... Bon, si tu veux, on retourne. C'est pas un souci. On est désolé, on préfère avancer tranquillement, mais en même temps, c'est vrai que même si c'est un let's play, on veut quand même le faire comme on le souhaite et comme on l'aurait fait sans enregistrer, en fait. Putain, j'ai cru que je pourrais plus. Il manque l'alimentation. Il n'y a pas de courant. Où est l'interrupteur ? Donc en fait, s'il faut bien aller... Oh putain, ça va être horrible. Parce qu'en fait, c'est nous qui allons débloquer tous les monstres. En fait, je pense qu'on va devoir ouvrir la porte avec tous les mobs qui arrivent sur nous. Oui, parce qu'on va devoir remettre l'alimentation, mais ça va ouvrir toutes les portes. Voilà, c'est ça. Donc ça va être juste horrible. Quel merdier, quand même. C'est clair. Mais bon, ça va le faire. Nous n'emballons pas trop vite. Ouais, ouais. J'ai pas trop confiance. Je sais pas pourquoi... Regarde derrière moi. Bah je vois rien. Ah, il y a une caisse. Des sous. Là je sais pas, là j'ai pas confiance. Oh là ! Putain, tu l'as explosé. Ah, tu l'as tué d'un coup. Attends, elle a pas dit il y en a d'autres ? Oh putain, la musique. Non, c'est bon. Tu l'as tué en un coup, tu l'as tué en un coup, tu l'as one shot. Faut quand même que j'ai... Là, il n'y a rien. Je regarde aussi, parce que tout à l'heure, j'ai trouvé une topaze, un diamant sur le toit, en fait, sur le plafond. Et j'ai dû tirer dessus pour qu'il descende. Écrit en russe. Tu veux vraiment que je lise? Oui. Écrit en russe. Chère maman, j'ignore si tu liras ceci un jour, mais j'ai besoin de toi. Ils nous appellent des expériences, ils nous torturent tous les jours, tous les jours. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi cela arrive-t-il? C'est si douloureux. Tous les jours, je vis dans la peur du lendemain. Maman, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Putain, les pauvres, quand même. Bon, Mago. Là, je suis sûre, il y a plein de trucs. Ouais, je suis sûre, il y a des mobs aussi. J'y vais. Ah, la vache. Oh, pardon, je l'ai loupé. Il y en a deux. Merci. Ah, celui-là, je peux pas le tuer. Attends. C'est bon, tu l'as eu. Par contre, moi, je suis rouge. Prends une... Ça fait chier, quoi. Tu perds beaucoup de vie, hein. Enfin, beaucoup. Vite de la vie, plutôt. Parce que moi aussi, je me suis fait attaquer, mais j'ai rien perdu. Tant mieux, d'un côté. Ouais, tant mieux. Peut-être que, justement, c'est ça. J'ai peut-être un petit peu plus de vie que toi. T'es déjà devenu rouge, toi? Non, jamais. Putain, mais... T'as eu... C'est toi qui as crié? Non. Ah, y'en a un là! Putain, mais à chaque fois, je fais trop tard. Ouais, bon, j'arrête d'utiliser mes balles parce que c'est super dur à viser. Non, puis surtout que je l'immobilise. Mais je pense que c'est la sensibilité, faut que je m'habitue. Par contre, moi, faut que je me fasse au fait que tu vois, il y a un temps de latence quand j'appuie pour que le coup arrive. Je sais pas si bon. Tu vois ce que je veux dire. Quoi? Là? Bah, y a là ou là-bas? Bah, ah, toi, viens chercher. Ah bah. Alors, avertissement au sujet de la manipulation des expériences. Les capteurs dont les expériences sont équipées mesureront l'adrénaline et les niveaux de norépinéphrine afin de calculer la peur ressentie par le sujet. Les couleurs varieront en conséquence. Vert, normal. Orange, anxiété. Rouge, clignotant. Peur. Rouge, mutation. Si le capteur du sujet devient rouge, il est déjà en phase de mutation. Tirez-lui dessus immédiatement. Vas-y, je peux pas voir ton bracelet. Donc en gros, moi je suis en orange, donc de l'anxiété, du stress, et toi pareil, je pense. Je ne le vois pas, mais je pense. Oui. Et t'es en rouge ? Non, mais regarde. T'es en rouge, non ? Non, mais arrête de viser. Ah non, c'est pas le bon. Il est de l'autre côté. Ah ouais, non. Regarde, t'es en orange. Comme moi.
cool. Il y a rien d'autre, non. Alors là, on peut soit aller à gauche, soit aller à droite. Je pense aller à droite parce qu'à gauche, c'est des... Donc t'as tout caché, là ? Ouais, j'ai tout fait. Donc à droite, plutôt. T'as essayé d'ouvrir ça, là ? Non, ça s'ouvre pas. Bah non, mais regarde ta mini-carte aussi. Quoi, ma mini-carte ? Bon, en fait, il y avait rien, c'était un mur. Mais non, il y a un casier. Ah d'accord, j'ai pas vu. Par contre, moi, je vois rien, là. Viens vers moi. T'as même pas regardé s'il y avait des casiers, là. Ça m'énerve, t'éclaires pas tout. L'homme a exprimé son souhait de franchir les portes. Le gardien a répondu, si vous voulez vraiment passer, freinez les règles et allez-y. Mais sachez ceci, je ne suis qu'un modeste gardien. Ceux qui vous attendent à ces portes vous feront trembler de peur. Bah 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 bah. Ouais, ça commence à être chaud au niveau luminosité, là. C'est ce que je viens de lire. D'accord. De toute façon, j'avais pas le lit. Non mais là, je suis sûre, il y a des trucs. Je suis désolée de pas bien éclairer, mais en fait, je... Oh, regarde, c'est quoi ? Bombe artisanale. Ça peut servir. Donc c'est RB et LT, enfin... Toi tu peux je, ah oui, tu ah peux. Oui, c'est moi qui c'est, peux. Bah tu la gardes, c'est toi qui t'en serviras. C'est ton rôle. J'ai vu un truc. Non, reste comme t'étais, bouge pas. Remets-toi comme t'étais, voilà. C'est ton rôle. Bien caché. Une herbe. Yeah, c'est bon ça. Heureusement que des fois je vois ton écran parce que... Là il y a un truc. J'ai besoin de toi. Ah c'est ça. Ah vas-y, c'est à toi de faire. Attention. Oh ok. Oh mais non, fais oh. Oula! Alors. Certaines boîtes doivent être déverrouillées. Déplacez le curseur pour trouver le point d'ouverture. La position du point d'ouverture est déterminée par la couleur du curseur et les vibrations de la manette. Vous obtenez un indice pour la première séquence uniquement. Là, c'est ça. Non? Bah... L'indice, c'est quand il est orange. Mais ouais, mais je ressens aucune vibration. Mais c'est normal. Affiné. Doucement, faut pas que ça arrive jusqu'au rouge. Maintenant, tu fais dans le... Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse après. Alors vas-y, attends. Non, non, dis-moi. Tu tournes, faut que tu tournes. Voilà. Faut pas que t'arrives au rouge. Ouais, mais c'est là, ça vibre. Ah là. Là ? Bah, faut que j'y fasse jusqu'au rouge. Vas-y. Voilà. Trouvez-les tous. Oh là là, ce savoir-faire. Une boîte d'éléments pour on sait pas. Si on retournera vite fait au truc. Si j'espère que ça sera rechargement ou quelque chose comme ça. Ou dégâts aussi, ça serait pas mal un deuxième dégât. Je vais en faire un. Oui. Bon, j'ouvre la porte ici. T'es où ? Mais où t'es toi ? J'étais dans le couloir en train de voir si elle. Je suis à la porte là à gauche. Ouais, je te vois sur la mini-map. J'ai pas confiance. Ah bah là aussi il y a des escaliers. Peut-être que du coup... C'est... Attends, peut-être que du coup c'est par là qu'on devait avancer. Non mais c'est pas grave, on va essayer d'aller par là. Moi je fouillerais tout. Peut-être que l'autre s'en rejoignait aussi. Ouh, ça fait peur. Il y en a un là-bas. Je vais la voir. Attends, si j'y vais discrètement. Tu sais, peut-être que je peux l'étourdir. Avance avec moi discrètement. T'as vu comment il est ? Ouais, c'est un gros. Et il t'a vu ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu, il y a un petit à côté, je m'occupe du petit ! Oh mon dieu, il y a... Oh là là ! Oh là là ! Oh putain ! Il me fait penser, tu sais, au premier boss dans le... Dans les 5... Bouge pas ! Oh, il y en a un autre ! Oh putain... Là par contre, je suis dans le gros. Hein. Mais là, je lui ai visé dans la tête, ça n'a pas marché. Ah, j'aurais pu lancer une bombe artisanale. Alors. Et t'as vu, je suis plus dans le rouge. J'ai récupéré ma vie. Eh, on dirait que toi, tu perds pas de vie, en fait. Bah, ouais, je peux... Enfin, si, je pense que je peux mourir, mais... Ouais, mais pas comme moi, quoi. Mm. C'est chelou, quand même. Alors là, il y a une porte. Ah, et il n'y a plus rien après. Clé rouillée. Il faut la clé rouillée. Ok. Ça m'inspire pas. Quand on va y avoir l'électricité, ça va rouler à droite à gauche, tu sais, on va trop crever dessus. C'est clair, mais si on peut envoyer les mobs dessus, ça serait bien aussi. Pardon. T'es un peu chiante, non ? Oui, mais je veux tout faire. Bon, Martinez, c'est pour toi. Oui. Je pense que je devais l'utiliser, mais j'ai pas encore le réflexe de me dire que j'ai une bombe sur moi. Ouais, mais pour l'instant, ouais, on peut... Clérouiller, je sais où elle va. Alors attends, hey, t'as pas fini, hein ? Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Oui, attends, Je recharge.
Vas-y, tu peux te pousser. Tu peux te pousser. Attends, bah tu peux passer, enfin. Voilà. Y a rien d'autre. Hein. Bon, faut que j'utilise plus mon couteau, c'est vrai que là, c'est... Mais je m'entraîne un petit peu à bien viser et tirer. Là, j'ai fait, et je crois que j'ai loupé 2 coups sur 5. De toute façon, c'est toi qui gères tes munitions. Oui, hein. Oui, pour l'instant, il m'en reste assez, donc ça va. Alors, la clé rouillée, elle va à droite, mais avant, j'irais bien voir à gauche finir de fouiller. Non, en fait. Parce qu'à gauche, je pense que. Non, mais finir de fouiller, en fait. Ça ramène. Oui, mais s'il y a des trucs. Y a rien. Après, c'est un escalier. Ça remonte, tu sais, où tu voulais pas passer au début, là. Bon, allez, allons ouvrir la clé rouillée. Enfin, la porte la clé rouillée. Voilà, c'est ça. Allons ouvrir la clé rouillée. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je le sens plutôt mal. Ah, il faut tuer. Moi, je l'ai tué, hein. Ouais, il faut tuer. C'est des cafards gigantesques. Bon, bah, du coup. Oh putain. Tu l'es, hein. Ce que tu vois, tu tues. En fait, j'ai essayé d'ouvrir les boîtes. Ils attaquent quand même. Je pense. Hein. Mais connard. Voilà. Alors il faut que. Ah, ça sera à moi de t'aider là. Une herbe verte. Je te fais la coupe. Attends, je fais tout du coup parce qu'il y en a peut-être d'autres par terre. C'est bon. Bon, voilà. Mago. C'est où? Là. Oh, je t'aurais bien marché sur la tête. Elle va le faire seule. Ou je peux pas le faire seule. Rien. Je peux pas le faire seule. Ah, attends, si votre partenaire est tué lorsque vous êtes séparés, la partie est terminée. Ok, ça veut dire qu'on va avoir des ennemis. L'icône de votre partenaire clignote en rouge si votre partenaire est en danger. L'icône indique également si le changement de partenaire n'est pas autorisé. Vous pouvez donner des ordres à votre partenaire. Suivre. Attendre. On s'en fout, tu vas pas me donner des ordres. Non, mais ça peut te faire rien en fait. Ah, d'accord. Reste ici. Suis-moi. Suis-moi. Y'en a un, putain, il t'attaque. Oh, bah du coup, je suis tombée. Il est pas mort. Je te remarche sur la tête. Regarde pas ce moment. T'as des talons un peu. Déjà fait. Putain, un short, c'est pas une jupe déjà. Reste ici. Suis-moi. Allez. Moi, je trace parce que j'ai. Ah, t'avais plus chelou, moi. Plus je crie. Tu vois, comme ça, s'il y a des ennemis, bah ils sauront bien que je suis là, tu vois. Oh, mais je dois tout fouiller toute seule. Moi, je me fais attaquer par les cafards, donc gros du tout, comme. D'accord. T'as intérêt à te faire gaffe si tu rallumes l'électricité, parce que tu vas te faire. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Alors, on fait moins le malin, le cafard. Mais je comprends pas. J'ai rien à faire. Comment ça, t'as rien à faire? Fermé de l'autre côté. Y a rien d'autre, là. Va voir dans la salle, tu vas bien trouver quelque chose, enfin. Bah. Regarde à gauche, là. T'as été voir à gauche? Bah, oui. Non, pas là. Ah. Alors? Toi, c'était évident, pourtant. Vite, vite, vite. Non, non, non. Oula. Nagez votre lampe vers les yeux d'un ennemi pour l'aveugler et le rendre plus vulnérable. Alors, attends, tu me dis quand tu fermes parce qu'il y en a un juste devant moi. 5. Oh, 4, vas-y, c'est bon, 3. Allez, go. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Fouille un peu. Tu t'en sors, toi? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bizarre, il a ouvert une porte et tu vas me dire, il y a rien. Aussi, il doit bien y avoir quelque chose. Parce que généralement, les gens, ils retournent pas dans les pièces comme ça et préfèrent tracer, en fait. Je pense qu'il y a bien un truc avec... Bah, j'ai vu un topaz, mais c'est tout, quoi. Ah, bah, c'est déjà ça, un topaz, c'est bien. Donc, du coup, c'est bon, maintenant, je peux descendre. Ouais, ouais. Oh, putain. Comment je fais? Là. Putain, la machine, le compresseur ordure là. Putain, j'aurais pas vu, hein. C'était Fort Boyard. Tain,
J'ai failli finir comme une crête. Bon, au moins on a le courant. Ça devrait. Hein? Pourquoi? Suis-moi. Mais. Reste ici. Reste ici. Mais pourquoi tu veux passer par là? Fais triangle et haut ou bas. Triangle? Ouais, enfin un Y et haut ou bas. Suis-moi. Reste ici. Oh là 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 là. Oh putain, celui-là il va super vite. Mais moi je vois rien en fait. Ah pardon. Ah attends, j'y vais en première. Wouah. C'était ridicule. Pour sauver votre partenaire, attends, appuyez sur un lorsque vous êtes proche. J'arrive. J'arrive. Alors, tu t'es pris une lame dans la gueule, mais ça y est, moi je viens te faire un bisou. En fait, je me suis pas... Oui, tu m'as fait le bisou. Je te fais un bisou et puis hop, c'est reparti. C'était le bisou, moi. Pourquoi tu vas par là? Franchement. T'as aucun sens de l'orientation, c'est dingue. Moi, je passe. Hein. Moi, je me sers même pas du sprint. J'ai passé sans sprint tout le long. Ah ouais, mais justement, fallait pas utiliser le sprint parce que moi, je me suis pris celle qui était derrière parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Non, pas par là. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai aucun sens d'orientation, c'est un truc de fou. Quoi? C'est normal, tout mais est oui, derrière. Oui, oui. Okay. C'est normal. Non. C'est pas vraiment normal. Attends. J'ai le temps. Attention, attention. Oh, connard. Bah, enfin. Il y en a un deuxième derrière. Putain. Mais esquive, vain Dieu. Ah ouais, j'avais oublié qu'on pouvait esquiver. Oh, je suis à terre. Alors. Ah non. Alors, attends, je récupère ma. Donne un coup à terre. Oh là là. Oh, toi, ta gueule, voilà. C'est bon, je l'ai machiné. Attends, pousse-toi, pousse-toi. Bien. Ça, c'est bien, ça. Ça va être plus facile, comme ça, de les tuer. Faut vraiment, quand tu penses que l'ennemi est à terre, tu vas lui foutre un coup dans la gueule. Alors là, c'était pas de ma faute. Franchement, j'ai vu sur ton écran. Ah, oh, regarde, tu restes rouge. Ouais, mais regarde, attends. Ouais. Attends. Non, mais je regarde. Hop là. Oh putain, mais t'as de la chance, toi. En fait, c'est difficile, mais que pour moi. Ouais, moi, ça va. Ah, mais c'est bien, tu vas pouvoir faire bouclier woman. Woman, alors, tout au calme. Viens là, qu'on discute. Viens ici. Suis-moi. Oh, dis donc. Alors, tu te calmes. Je ne suis pas un bouclier, ta mère la lumière. C'est quoi déjà, sur quoi il faut appeler? Suis-moi. Suis-moi. Allez, viens, mon petit chat. Viens. Suis-moi. Hé, qu'est-ce que je fais? Non, putain, j'allais prendre une herbe. Suis-moi. Comment tu fais? Suis-moi. Suis-moi. Ah. Suis-moi. Reste ici. C'est oh, c'est dommage qu'ils mettent ouais, pas. C'est en bas, reste ici. C'est dommage qu'ils mettent pas. Mais peut-être on en déverrouillera. Moira, Moira, Moira. Ouais, sinon on y fera. Claire, 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 Claire. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on pensait que l'électricité serait mise d'ici. Mais elle sera mise d'en bas. Mais en fait, je l'ai déjà remise l'électricité. Ah oui. On va y aller mollo, je pense. Viens, hein. On passe par là. Plus rapide. Bon allez, laisse appuyer sur A pour aller plus vite, regarde. Tu laisses appuyer sur A et hop là. Ouais. Ah attends, j'ai un truc à placer. Cadence. Cadence. Ça ton pistolet non. Cadence. Un 13 et l'autre c'est quoi? Un 96. Et si j'améliore, ça fait quoi? Ah tu peux pas. Ah si. Mais tu peux pas voir. Ah non, tu si. Un 27. Je fais quoi alors? Laisse-le là-dessus, ouais, tu pourras plus faire de dégâts rapidement. Mais bon, on mise vraiment tout sur le fusil à pompe, donc il faudra que tu fasses gaffe, quoi. Pourquoi celui-là, il est à 1,93... 1,96, pardon. Ouais, allez. Alors attends, moi c'est tac et tac. Alors attends, je recharge, parce qu'on est jamais sûr, là. Attends, je recharge. Hop là, c'est bon, je recharge. J'adore le changement d'arme, je trouve ça trop bien. Fais voir. Attends, ah bah attends, je te vois ça. Pas. Pas mal. Elle fait de la prestidigitation. Attention, j'ai tout débloqué. Oh, le pauvre. Ouais, vous me tuez. C'est des putains de bâtards, quoi. Ah, on peut retrouver peut-être nom de code bâtard. En fait, je parle plus trop parce que là, je sais ce qui nous attend et...
Mais genre, toi, on t'avait pas vu, tu sais. Putain! Alors? Attends, j'y vais. Toi, peut-être que tu vas récupérer ta vie. Toi, ça serait bien de pouvoir les attirer dans le coin ici. Comme ça, je ferais plus de dégâts avec le fusil à pompe. Et toi, tu les étourdis pendant que je recharge. Parce que là, je vois un gros là-bas. Ou alors, on les rassemble tous dans un coin et bim, on fout la bombe. Si tu veux, je vais les chercher. Oh, je te vois trouble. Tu veux que j'aille les chercher? Ouais. Par contre, est-ce que je prends une herbe ou pas? Eh, t'as trois herbes, donne-moi-en une. Ouais, vas-y, prends-en une. Je te la donne vite fait. Ouais, donne-moi-en. Je t'en donne deux. Oui, bah, merci. Ouais, j'en garde une au cas où, si je tombe par terre. Attends, j'ai quoi? Tourniquet, un bandage qui arrête l'hémorragie. Va falloir les tuer tous parce que... Attends, tiens, je te donne un bandage, ça arrête l'hémorragie. Ah, merci. Va falloir tous les tuer parce que moi, je veux fouiller partout, dans toutes les pièces. Ouais, et ouais, tout. C'est clair. Bon, je vais en chercher un. À droite. À gauche, pardon. Ouais, mais attends, tu vas tous les rassembler là. Vaut mieux que je vienne te... Prends ton fusil à pompe direct. Parce qu'ils vont se prendre le piège aussi. Ok, c'est parti. Oh putain. Vas-y, viens. Bien. Ah bah nickel. Ça c'est nickel ça. Alors vas-y, on va faire ça comme ça maintenant. Bon, on va prendre le temps qu'il faut. Et moi je suis là au cas où il passe quand même. Il arrive. Je l'ai vu. Pousse-toi, putain, laisse-moi repasser. Oh merde. Attends, bouge pas. Alors là, s'il est pas mort. Si, il est mort. Et j'y retourne, hein, attends. c'est trop bien. J'adore ta façon de faire, j'adore. T'es mort. Ah, je suis bien impliquée dans le jeu, là, moi j'aime bien. En même temps, tu fais vachement à pas, petite fille, gentille, cherche ennemi pour se faire massacrer, tu vois le genre. Tout n'est pas ouvert pourtant. Fais gaffe, parce que... Y a rien d'ouvert. Ah, il faut peut-être ouvrir là. Ouais. Faut mettre le rouage. Bah écoute, viens. Parce que rien n'est ouvert. Attends, je regarde, il y a peut-être des trucs à récupérer derrière les rouages là. Attends, vas-y, je mets le truc, couvre-moi. Non, mets le truc, je te couvre. Bah c'est moi qui mets le truc alors que j'étais même pas là, mais c'est pas grave. Ou alors va falloir vite partir, tu préfères tuer tous les ennemis? Je te propose de partir relativement vite. Vite, viens. Le pied de biche, c'est pour toi. Je pourrais pas tous les retenir. On se les fait tous. Laisse-moi récupérer la vie, deux secondes, je récupère ma vie. Moi, je me fais le gros, là. Oh la vache. Oh. Moi, je suis à terre. T'as un bandage pour l'hémorragie. Je me suis pris un truc. Tu t'es pris. J'ai pas vu. Oh putain, j'espère qu'on avait un checkpoint assez... Bon, vas-y, meurs, essaye. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas l'habitude d'être premier joueur, donc tu vois... Oh, je me remets juste parce que j'avais des fourmis dans les petons. En fait, tu vois la porte, là. Il faut que tu y ailles parce que c'est toi qui dois l'ouvrir avec le pied de biche. Moi, je peux pas. Non, mais faire. Moi, je fuis pas, hein. Oh non, c'est sérieux, retourne. Non, c'est bon, c'est rien. C'est rien. Ben, il faut trouver quelque chose, hein, pour... Est-ce moi, que... Attends, et... Parce que... Attends. Vas-y, on va faire lui, non, après mais je vais te dire un truc. Ah oui, il est là. Putain. Bah, c'est pas grave, au pire, si c'est moi, je m'en fous, je récupère la... Mais je voudrais voir si on peut aller à la salle de contrôle. Avant. On tue tous les ennemis avant de mettre les rouages. Et il y aura peut-être un bouton pour les piéger ou un truc comme ça. Ok, attends, on va recommencer là pour les ennemis parce que... Bah de toute façon, il y en a que un. Il y a un gros et un petit. Donc je peux même limite venir avec toi. Non, parce que moi je l'ai fait prendre le piège en fait. Vas-y, je t'attends. Je suis là. Et il manque un petit, hein, je sais pas où il est. Prends tout ton temps, vas-y. Lui, est-ce que je peux étourdir? Ah ouais, aussi. Attention, vas-y, passe. Quand il va revenir, ça va revenir normalement. Allez. Bon, ça c'est bien, c'est fait. Et faut qu'on s'en serve dans la salle. T'as vu que... t'avais utilisé une bombe pour rien. Ouais, parce qu'on s'en est... Alors, je mets pas. Non. Parce que là, il y en a un, là. Et je pense qu'en fait, il faut...
J'ai aussi une bombe, donc moi je peux la mettre sur le gros t'en occupe pas, dis-moi quand il est là, et moi je lui lance une bombe à la gueule au pire. Hein. Okay. Et donc on se met surtout pas au coin gauche de la pièce, parce que là, ça nous a tués. Je suis sûre il y a des trucs à récupérer là-dedans. Il y a des trucs à récupérer là-dedans, faudrait pouvoir passer. Oui, non, mais non, ne tente pas, Tagada, j'ai pas envie de retourner là-bas. Moi, perso, je vais aller voir la grande pièce, voir s'il y a pas quelque chose à faire. Attends, moi, on y va à deux. Ça, non. Ah, là, il y a un truc, là. Viens, je suis... t'es obligée de... Regarde, là, à gauche, au pied de la porte. Ah. Des rubis. Yes. Faut monter. Faut descendre à la salle de contrôle. Parce que la salle de contrôle, on n'a jamais pu rentrer dedans. Y'a quoi en bas, on y allait ? Il faut la clé de la salle de contrôle. Bah. Ah oui, on vient par là. Donc ça veut dire que la clé de la salle de contrôle, elle doit être quelque part. Ouais, mais moi je pense qu'elle est dans une des cages en fait. Hein. Tu penses ? Ouais. Bon, bah écoute, on va retenter. Mais du coup, il manque un petit. Attends. Parce que moi j'ai pas envie de mourir. Non mais ce qu'on va faire, j'étais en train de réfléchir en fait. Moi je vais rester devant la porte, je vais servir de bouclier humain, je lance... Mais non, mais pourquoi tout simplement on ouvre, bim, et on va derrière une machine? Tout simplement. Ouais, bah allez go. Comme ça... Attends, moi j'y vais déjà. Ça nous protège aussi un peu. J'y vais déjà parce que moi il me focus bien. Alors attends. Attends. Fais-y. Maintenant. Je crois qu'il aura pas le temps de revenir. Allez, on s'en fout. Ah bah t'es là. Mais putain. Ah, j'ai pas regardé le bon écran. Oh mon dieu, j'ai pas regardé le bon écran. Oh, c'est bloqué là. Oh, c'est bloqué. Couvre-moi, faut que je lance la bombe. Vas-y, lance la bombe. Bien. Alors, toi, te calmer. J'ai plus de bombe. Putain. Il en reste deux gros. Attends, parce que lui, en fait, je suis en train de l'étourdir. Ouah. Ok. Alors j'en ai tué un. C'est bon, t'en as tué deux. C'est bon, c'est bon. Oh yeah. Purée, oh, ça c'est... Hey, travail d'équipe ou pas? Travail d'équipe. Alors. Ah, c'était beau. Ah bah du coup, on va aller tout faire à toutes les salles. Il doit en rester, hein, je pense. Ouais, je pense aussi dans les salles. Bon, alors attends. Hop. Moi je l'ai fait une par une en face et tout, parce que je sais plus laquelle était ouverte. Fais gaffe à toi quand même. Hein. Ouais, mais t'inquiète, moi je peux limite. Enfin, même si je crève, au pire je m'en fous. Ah, il y en a peut-être en haut du coup. Attends. Toutes les cellules du haut sont fermées. C'est pas chelou ça? C'est bizarre, non? Ouais, bah tant mieux, parce que bon. Par contre, j'ai plus de bombes. Hein. J'ai dû utiliser les deux. Ah non, ça c'est pas grave. Mais j'aimerais bien. Du coup, on va trouver sûrement la clé de la salle de contrôle. Et on va pouvoir ouvrir toutes les salles du haut. Je pense. Par contre... hein. Ah. Je pense. Des munitions pour toi de pistolet. Ah bien. T'es dans les salles du haut, là? Non, dans les salles du bas. Recharge tes armes. Déjà fait. Ah, peut-être pas le fusil à pompe. Si. Déjà fait. Le fusil à pompe, il me reste 10 balles. Okay, et mon pistolet, il me reste 13 balles. Bon bah on va aller voir en haut ce qui se passe. Et du coup t'en as peut-être des balles. Ouais, t'as des balles pour moi en plus. Donc parfait. Ah attends. Ouais aussi. Ça je t'y donne, c'est... ça... Ah bah je t'en ai un, bah j'en garde un du coup. Et je te... Ah mais c'est ça, tourniquet qui... Je croyais que c'était un tourniquet pour tourner moi. Et là, on va aller dans cette salle là du coup. Non attends. Ah bah elles sont bloquées, merde. Allez viens, t'as gardé, c'est pas grave. Alors attends. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver là? T'as pas mal d'herbe. Et il y a un truc là. Attention! Comment on fait pour l'avoir celui-là? Ah, faut aller arrêter l'alimentation du coup. Ah! Qu'est-ce qu'il fout là? Quand tu m'as fait peur! Qu'est-ce qu'il fait là? Il y en a d'autres qui arrivent. Bim, dans la tête. Putain, j'arrive plus. Voilà. Attends, il va être étourdi. C'est bon. Je m'en occupe. Bien. Il vient d'où? Ah, il y en a un autre là! Il y en a un autre qui arrive! Ah, je me fais matraquer la gueule!
Vas-y, vas-y. Ah oh, merde, j'en ai eu un. Et j'ai eu le deuxième, c'est bon. Soigne-toi. Ou attends un petit peu, voir si ça te soigne automatiquement, je sais pas. Il y en a un qui arrive. Il y en a encore un. Putain, mais ils viennent d'où? Viens là. Il y en a encore un. Je peux pas. Il y en a encore un derrière moi. Merci. Voilà. Putain, ça c'est utile mon attaque au sol. D'où ils viennent? Ils viennent de là-bas. Mais pourtant j'ai fait toutes les salles. Mais... Bah ouais. Oh ouais. Chelou ou quoi? Alors... Putain, je l'emmène dans la gueule. Hein. Putain mais... Ah ils viennent d'en haut. Ça s'est ouvert hein? Mais non. Je pense qu'il faut pas rester là en fait. Parce qu'ils vont... Ils vont venir à l'infini je pense. Je suppose, hein. Tu vas checker en haut, du coup? Bah ouais. Ouais, y'a rien. La salle de contrôle, on n'a pas une clé. Non, on n'a pas de clé. Putain. Elle doit être dans la salle, hein. Ils sont vénères, les autres, là. Viens, on se casse, hein. Mais eh bien ou pas d'avoir sauté? Soigne-toi. T'as 4 herbes, donc c'est bon, vas-y. Putain, y'en a encore 2. Viens, vas-y, ouvre, je te couvre. J'ai pas beaucoup de balles. Là, ouvre. Tu peux ouvrir, hein. Ah oui. Voilà, un de moins. Mais je dois faire quelque chose de particulier ou elle peut ouvrir toute seule? Bah elle est en train d'ouvrir, là. C'est bon. Ah non, pas encore. Il en reste une. Oh, t'as plus de balles. Si on veut mourir, je te tape. C'est bon. T'es trop grand, je peux pas te casser la gueule. Alors, je m'occupe de lui. C'est bon ou pas? C'est bon. Bah là on y va. Tant pis hein. Tant pis. Je pensais pas en fait que c'était des vagues quoi. Bah moi ce que je pensais faire c'est que tu vois pour arrêter les trucs il fallait revenir au point de départ. Le problème, c'est que il y avait les trucs, les tourniquets qui nous empêchaient de passer. Bah ouais, moi aussi, en fait. Donc j'ai pas trop compris. Bref, en tout cas, on s'en est sorti. On va s'arrêter là donc pour ce deuxième épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il était vraiment riche en émotions, hein, en peur surtout. cette émotion-là en particulier. En tout cas, que dire à part prenez soin de vous et à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao.